Bienvenue au 21e Assise européenne de la transition énergétique. 3 jours de débats et de conférences sur le thème « Cultivons le pouvoir d'agir ». Ici, on explore la métropole de demain dans un souci de développement durable. Et qui dit transition énergétique dit énergie propre. Alors pour mieux comprendre ce qui pourra faire rouler les bus métropolitains dans les prochaines années, un escape game permet d'appréhender les carburants du futur. Dans le bus qui nous a été prêté par Keolis Bordeaux Métropole, en fait, on a un escape game. Et le principe, c'est sur la base d'un jeu d'équipe de 4-5 personnes, on doit aller chercher des infos, des indices dans le décor, résoudre des énigmes. L'objectif, c'est de comprendre, à partir de nos déchets, on est capable de produire un gaz renouvelable utilisé comme carburant. Ça donne un gaz vert qu'on injecte dans le réseau, qu'on peut utiliser pour différents usages et notamment pour faire rouler un bus. Et pour que les citoyens de la métropole connaissent les projets et la mise en œuvre des politiques énergétiques territoriales, les Assises font des prolongations avec le OFF du 31 janvier au 16 février. 90 événements près de chez vous où les acteurs du territoire vous invitent à des débats, des conférences mais aussi des visites afin de mieux comprendre les grands défis de demain.